L'ONG Les Bénévoles du Cœur a lancé une caravane dénommée Caravane scolaire et du partage au profit des orphelins de Côte d'Ivoire. Le top départ de cette action de générosité a été donné à Gagnoa, Soubré et Lakota le samedi dernier. Cette caravane a pour objectif de donner du sourire et la joie de vivre aux orphelins et enfants démunis. Les Bénévoles du Cœur ont distribué au cours de cette opération des vivres et non-vivres composés de matelas, sacs de riz, boîtes de lait, pâtes alimentaires, seaux, bassines et kits scolaires aux pensionnaires des orphelinats Compassion Esther de Soubré, Enfance Miraculeuse de Lakota et Emmanuel de Gagnoa. Le président de l'ONG Bénévole du Cœur a indiqué que la caravane vise à soutenir les orphelins en cette période de rentrée scolaire. Enza Fofana a exprimé sa gratitude aux Bénévoles du Cœur pour leur appui financier et matériel pour la bonne marche de cette ONG. Alors j'appelle tous les bénévoles du Cœur à nous rejoindre. Car nous sommes dans les œuvres de Dieu. Les responsables des différents orphelinats visités ont tous salué l'action de générosité de l'ONG Bénévole du Cœur. Ils ont souhaité que d'autres organisations de ce genre volent au secours des démunis et défavorisés. C'est une grande joie à l'orphelinat Emmanuel de Gagnoa. Nous sommes vraiment comblés car nous avions des appréhensions pour la rentrée et vous venez d'apporter vraiment un grand ouf, un soulagement. L'ONG Bénévole du Cœur a également réhabilité et équipé les locaux de l'orphelinat Enfance Miraculeuse de Lakota et pris en charge la scolarité de certains pensionnaires de cet orphelinat. L'ONG continue sa caravane dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Elle posera ses valises dans le département de Grand Laou.